Bof, les résultats du bac. Alors les résultats, ça arrive ou pas? C'est là, dans 2 minutes. Mais t'inquiète pas, maman, j'ai tout déchiré, je vais la voir. Hein. Mais t'as intérêt, ouais, sinon c'est moi, je vais te déchirer. Ah voilà, c'est bon, il y a les résultats. Alors? Mais ça fait 40 minutes, tu scrolles là, qu'est-ce que tu fous? Il n'y a pas mon nom là, je comprends pas, c'est quoi ce bin ça? Oh, fan des popines, qu'est-ce qui m'a foutu un guignol pareil? Je vais péter les plombs, hein, t'es au courant de ça? Non, mais c'est un bug, maman, je pense, t'inquiète. Hein, parce que quand je suis sorti de la salle, l'examinateur il m'a dit Psartec. Non, mais toi t'as le QI de requin dans foot de rue. Va falloir aller consulter un spécialiste. J'ai tout révisé, les triangles parallépipèdes, la mort de Louis IV. Allez! Toi, je t'envoie au fin fond de l'Alaska. J'espère que tu vas tomber sur 3 grizzlies bien affamés. J'en ai plus rien à foutre. Ah, c'est bon, je me suis trouvé. Et du coup? J'ai 4. Mais comment tu peux avoir 4 au bac? Je sais pas, moi, t'as chié sur tes copies? Après, t'inquiète pas, maman. Maintenant, y a plus besoin d'avoir le bac pour faire du fric. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Et salut à tous, c'est Hector Food Challenge. Aujourd'hui, on va s'enculer 43 gigatacos en 20 minutes.